t'assoies sur une image. Clac. Shifumi. Shifumi. Putain, tu es... Je suis désolé, c'est beaucoup trop perturbant. T'avais pas de faire foutre, qu'est-ce que t'as mangé hier? Putain. Non, qu'est-ce que t'as mangé hier? Action. Ah par contre j'étais perdu. Tellement je t'aime, je pense à toi. Quoi que tu décides, je te suis et là j'en ai rien à foutre. D'accord? T'as pas le droit de me tirer pour voir que je fais ça, t'es une grosse pute, c'est impossible. Attendez-moi. Il fait beau. Mais c'est tout. Tu veux acheter des tapis? J'ai pas de tapis. Non, j'attendais ma pizza. Bon bah sinon je me casse quoi. Tu veux rien dire, moi okay. Je dis rien. Je tourne au son. Une sur une, prise 2. Tu l'as mis cher à sa soeur. Mec, tu peux pas dire sa soeur, c'est pas sa soeur, c'est complètement idiot. On parlait pas de ça. Baby, can't you see? Les cadres, c'est flycam, Tail va se balader comme ça, paf, il va survoler les invités, tu vois. Donc je vais demander de pas qu'on voit ça. Ouais. Ah c'est vrai, c'est nous qui, c'est le directeur photo qui décide à quel faire qu'on travaille. Un peu, ouais. Bon, ça dépend de la profondeur de champ que tu veux, mais là, il n'y a pas énormément. Bon, en fait, voilà, c'est ça, tu demandes au réalisateur qu'est-ce que tu veux comme profondeur de champ. Et puis après, c'est par rapport à la lumière. Non,
Tu parlais de Diav depuis tout à l'heure, c'est quoi exactement? Diav, c'est ton F sur ton appareil photo. F4, F5, 6, F8. C'est ce qui fait règle ta profondeur de champ et ta luminosité. En fait, ici. Un peu, et l'ouverture. Et là, tu appuies sur AV, appuie dessus, et en même temps, tu tournes la molette vers la droite. Tu vois? Et vers la gauche, et ça t'assombrit l'image ou te l'éclaircit? Ouais, mais je... En fait, le diable, ça règle et la sensibilité et la luminosité qui rentre dans le capteur et la profondeur de champ. Donc, plus il est fermé, moins t'as de luminosité, mais plus t'as de profondeur de champ. Et inverse, plus il est ouvert, plus t'as de luminosité, mais moins t'as de profondeur de champ. C'est l'équivalent de l'iris de l'œil humain, en fait. D'accord. Ça fonctionne dans le même principe. Là, on est en train de préparer une séquence de fête, qui est en fait une séquence de flashback dans le sketch. En fait, le héros va rentrer dans son appart et être complètement destroy et tout après une soirée. Et il va se rappeler justement cette fameuse soirée qui déclenche un peu tous les événements du sketch. Et là, on va tourner justement cette fameuse soirée. Donc, on a plein de figurants comme Monsieur Chotichon qui est en train de filmer. Et en gros, voilà, tout le monde est en train de s'éclater pendant que Monsieur a flashé sur une fille et lui n'a dû que pour cette fille. Ce qu'on va tourner là, on espère avoir filmé dans les temps. Ce qui n'est pas sûr, mais on va essayer. Et derrière, c'est des malades. Ouais, c'est pas mal. Ils commencent là, ils sont. Ils sont en feu. Place pour l'image. Oui. Ça me filme pas. Est-ce que t'es en place, Clément, si vous... Je fais le point. Attendez, il fait le point. Je fais le point. Putain, je t'ai déjà dit quand je t'ai dit que je fais le point, tu regardes. Et là il me dit, ouais, excuse-moi, je cherche Tom parce que je suis son père. Tu te fous ma gueule. Non, même pas. Et là, je suis à Perrache, je où il y a les putes trop moches. Et il y avait ma mère. Je vais aller voir l'autre machin à côté et tout, parce qu'il faudrait que tu fasses courir ici. Allez, vas-y, tu auras jamais fait. Coupé.